Et salut à toutes et à tous, c'est Riveless et je vous retrouve pour un nouveau let's play, un nouveau walkthrough, un nouveau jeu. Ah, et un jeu que j'affectionne particulièrement, Fire Emblem, sorti en 2004 sur GBA, développé par Intelligent Systems et édité par Nintendo. C'est techniquement Fire Emblem 7, il est connu au Japon sous le nom Fire Emblem The Blazing Sword. Mais comme c'est le premier qui est sorti en Europe, il s'appelle juste Fire Emblem. Enfin bref. Et vous vous demandez, mais pourquoi ce jeu? Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent malgré tout, déjà parce que j'ai pas encore fait de jeu GBA, et de deux, j'ai pas encore fait de tactical RPG. Et alors je me suis dit, pourquoi pas celui-là? C'est parti, mon kiki. Effacer des données. Oui, ça c'était mes tests d'enregistrement pour voir si je pouvais... faire sans problème un enregistrement quelconque. Bon, ça c'est une ancienne partie qui va peut-être partir aux oubliettes. Bon, alors déjà, avant que je commence, j'aimerais remercier un de mes potes, mon meilleur pote du lycée, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce jeu et je l'ai remercié déjà à l'époque, hein, et je le remercie encore parce que ce jeu est génial. Bon, alors, c'est parti. En sachant qu'il y a ça à faire d'abord. Vous incarnez un stratège en voyage sur le continent d'Elib. Veuillez indiquer votre nom, votre mois de naissance et votre sexe. Mais c'est qu'il est bien discret, dis donc. Entrez ces données au moyen de la manette, de la croix directionnelle et du bouton A. Pour jouer avec les paramètres par défaut, choisissez nom. Et c'est mort. C'est mort, je veux pas qu'il s'appelle Marc. Faut qu'il ait un nom de winner, c'est mort, je refuse. Il s'appellera Riveless. Comme moi, quoi. Yeah. Pour ceux qui connaissent le jeu, qu'est-ce que je vais faire durant cette partie? Donc je vais faire le jeu normalement. Il y a plusieurs manières de faire ce jeu. Il faudrait faire plusieurs fois le jeu pour tout vous montrer. On va dire que je vais faire au mieux. Déjà, essayer de n'avoir aucun bonhomme qui crève. Oui, parce que... je l'expliquerai en détail après. On va pas brûler les étapes, tout viendra au fur et à mesure. Alors je reste un mec, un vrai, j'assume ma virilité. Et pour le mois de naissance, alors ça va changer la petite icône à côté de votre nom, qui s'appelle l'affinité ou la tribu au choix. Et donc je vous en dirai davantage plus tard. Bon, parce que déjà j'ai pas envie de vous matraquer le cerveau dès le début, et puis pour ceux qui connaissent pas, on va y aller doucement. Et oui, je veux jouer avec ces paramètres. Allez, c'est parti. Prologue, l'enfant des plaines. S'il y a de la demoiselle, je parle normalement, c'est mort, je suis en connu avec quelqu'un féminin. Par contre, dès qu'il y a des mecs, en fonction de leur gueule, je saurais mieux faire l'intonation de voix. De toute façon, avec ma voix, c'est impossible que je fasse une voix de demoiselle. Bon, vous allez mieux? Je suis contente que vous soyez en vie. Je suis Lynn de la tribu de l'Orca. Ici, vous êtes en sécurité. Mais qui êtes-vous, juste? Vous rappelez-vous votre nom? Riveless, poupée! Vous vous appelez Riveless? Vraiment? Quoi, ça te plaît pas? Ne vous méprenez pas, j'aime beaucoup. Votre attirail montre que vous êtes en voyage. Qu'est-ce qui vous amène sur les plaines de Sakae? Et si vous me racontiez votre histoire? C'est que t'es bien curieuse, toi, dis donc. Mais d'où venait ce bruit? Je vais voir ce qui se trame. Riveless, attendez-moi ici. Attendez-moi ici, y a pas de S à la fin de moi. Yeah. Oh non, des bandits, ils viennent sûrement des mondailles de Biran. Je crains qu'ils ne soient venus piller les villages. Je dois les arrêter. Vu leur nombre, je crois que je vais même pouvoir m'en occuper seul. Riveless, si vous restez ici, il ne vous arrivera rien. Non mais moi je viens, ma poule. Comment? Vous voulez m'aider? Sauriez-vous vous battre? Bah techniquement je fais du karaté, mais sinon je suis stratège. Ah je vois, vous êtes stratège, un métier peu ordinaire. Non mais c'est qu'elle a toujours quelque chose à redire, elle. Entendu, je vous emmène. Allez, c'est parti! Là-bas, j'ai remarqué, merci.
Riveless, aidez-moi à définir une stratégie de combat. Je vous promets de vous protéger si vous restez près de moi. Ben, c'est sûr que c'est mieux, que tu arriveras mieux à me protéger si je suis près de toi que si je suis loin. Enfin, bref. Bon. Alors, pour la petite info, les unités bleues... Enfin, Lynn est une unité en bleu, les unités rouges sont les ennemis. Et Riveless est une unité verte. En gros, neutre. Mais plutôt allié. Enfin, les nuances seront expliquées plus tard, rassurez-vous. Sur le champ de bataille, il y a des unités bleues, qui sont les alliés, et les rouges, les ennemis, qui luttent à tour de rôle. Moi, je suis un stratège. Par ailleurs, j'entre en scène lors d'événements spéciaux. Donc, au cours de l'histoire. Déjà, dès le début, quoi. Le stratège a pour tâche de déplacer le curseur sur les gens afin de les déplacer et de leur transmettre des ordres. Tu vois, tu claques un curseur sur les gens et tu les fais bouger, c'est génial. Bon, d'accord, on va commencer avec Lynn, parce que de toute façon, on n'a pas d'autre choix, il y a qu'elle. Alors, c'est un lord de niveau 1. Donc, très naze, mais qui peut devenir extrêmement puissant. Ouais, parce que les lords, ce sont les personnages clés du jeu. Donc, ils sont techniquement meilleurs que, entre guillemets, la moyenne. Ce qui n'est pas totalement vrai pour tous les lords. Il y en a 3, en fait, dans le jeu. Et si un d'eux meurt, c'est game over. Oh, t'as vu, j'ai fait une rime. Bon, alors, les autres bonhommes, qu'il va falloir péter leur gueule, c'est des bandits. Qui sont au niveau 1 aussi, donc ça va aller. Enfin, lui, je crois qu'il est niveau 2. Oh là là, il est niveau 2 et en plus, il a une tête. Enfin, parce que les unités génériques n'ont pas de tête. Bon, alors, je suis trop loin de l'ennemi, il faut que je me rapproche. Et ça me fait penser à un truc, c'est que j'ai. Il fallait que j'accélère la vitesse du texte. C'est pas assez rapide pour moi. Oui, bon. La couleur bleue, c'est l'endroit où je peux déplacer l'unité. Et rouge, c'est là où elle peut attaquer. Au maximum. Bon, je la déplace. Je peux pas faire B. Non, je peux pas. Et si je veux la déplacer là? Ah, faut la déplacer là? Mais je fais ce que je veux, bordel de... Bon. Nous sommes fils... On est assez près, voilà. Je bug sur le mot suffisamment. Ah, ce bandit m'a repéré. Oui, parce qu'il est myope et t'avais pas vu à 10 cases de distance. Mais il n'est pas encore assez prêt pour m'attaquer. Il faut avancer et attaquer. Super. Ben oui, déjà, faut aller au corps à corps. Sélectionner Lynn. Alors, déjà. Non, c'est le mauvais bouton. Voilà, c'est le bon bouton. Bon, déjà, je vais mettre un petit background. C'est super. Vitesse de déplacement. Allez, on va mettre rapide. Dialogue rapide. Parce que Max, c'est instantané, j'aime pas. Ah, le curseur. Placer le curseur sur les héros. C'est chiant parce qu'il y a des moments où j'utiliserai pas les héros, donc ça me saoulerait quand ça, à chaque fois ça reviendra sur le héros. Bon, allez, voilà, c'est couleur bleue, même si mon pseudo veut dire autre chose. Yes. Bon. Alors, je vais pouvoir lui bourriner la gueule. Bon, sélectionner Lynn. Ah, j'aime mieux quand c'est déjà plus rapide. Alors, pour la petite histoire, c'est que les 10 premiers chapitres, ça va être facile. Honnêtement, même jusqu'au 11e, 12e, ça va faire office de tutoriel jusqu'au 11e chapitre. Donc ça va pas être bien compliqué. Déjà, il me dit quoi faire. Alors, j'ai pas le choix, je suis le tutoriel. Bon, faut que je me mette à côté de lui. À l'attaque maintenant. Oui, je sélectionne attaquer. Je sélectionne avec quelle arme je vais lui bourriner la gueule. Et là, on a un petit tableau récapitulatif de ce qui va se passer durant ce combat. Je vais attaquer deux fois, avec le petit 2x2 qui flotte. Donc je vais lui mettre 2x7 dans la figure. Et lui, il a une chance, enfin, ouais, on va dire qu'il a 40% de chance de m'infliger 10 de dommages. En gros, il me fait mal. Oh, j'ai esquivé. Oh là là, je suis pas surpris du tout. Parce qu'après, je vais me faire toucher. Et là, vous vous dites, oh, il est devin. Non, c'est simplement que c'est le tutoriel. Et pour avis, je suis aussi en mode normal, donc c'est pour ça que j'ai le tutoriel. Pour débloquer le mode difficile, il aurait fallu que je finisse le jeu sur cette ROM. Et j'ai pas envie de le faire en mode difficile, parce qu'il y a des moments où c'est vraiment hard. Et je peux pas faire ce que je veux. Je peux pas m'amuser avec l'IA, c'est pas marrant. Bon, je l'ai vaincu, blabla, on gagne de l'XP, ah, je suis blessé, j'ai besoin d'une potion. Bon, on sélectionne Lynn. Bon, pendant ce temps-là, on s'en fout de ce que c'est une GR, c'est une grosse baraque, puis pas la point barre. Donc je me mets sur la caisse clignotante, choisis un objet,
Allez, bordel. Voilà. Alors oui, Lynn, elle est en mousse, mais elle est amenée à devenir très rapide et à frapper assez fort quand même. Donc c'est un perso à ne pas négliger. De toute façon, les persos principaux, il faut éviter de les négliger parce qu'ils seront par moments obligés de participer au combat. Ouais, elle a que 2 de défense. Bon, on va aller affronter la grosse brute. Hein. Allez, c'est parti. Pour qui tu te prends? Tu crois pouvoir rivaliser avec Bata la brute? Bah oui, sinon je serais pas devant toi, mec. Bon, déjà, ça pue. Non, mais je sais que je vais gagner, hein, sinon ça serait con là. Parce que là, c'est autour de l'ennemi, il peut me tuer. Ça, c'est à jamais faire. Hein. Si vous engagez un combat, enfin, si vous engagez un combat et que vous avez une chance de vous faire toucher et que ça peut vous être fatal autour de l'ennemi, non, voilà quoi. Bon. J'ai pas lu le texte, c'est pas intéressant. Elle va juste dire si je meurs, fuyez très loin. Esquive! Je te bourrine. Ceci est un coup critique. Un coup critique équivaut à 3 fois les dommages et touche à coup sûr. Ouais. Impossible, comment t'as fait pour... Voilà. Est-ce que le level up va m'être favorable? Oh mais, c'est génial, j'approuve. Moi, Greg Riveless, approuve à 200% ce level up. J'avais sous-estimé sa force. Désolé de vous avoir donné tant de sueur froide. Oh non, je m'inquiétais pas, je suis zen. Tu veux du Milka? C'est bon le chocolat Milka. Le chocolat tout court, c'est bon. Faut que je devienne imbattable. Oui, blablabla. Lynn gagne de l'expérience quand elle combat. On l'a remarqué et on a vu qu'elle a changé de niveau. Oui, elle a changé de niveau. Si son niveau augmente, ses aptitudes s'améliorent. C'est ce qu'on a vu. Il est temps de clore ce chapitre. Tu vois, même le tutoriel, il se dit, allez, on se démerde là. On est pressé, on a du taf encore. Donc voilà. Ah là là, ses stats, on va dire que c'était un très beau level up. Bon, il est temps de prendre comme ça. Chapitre terminé. Bon travail, Riveless. C'était facile. En même temps, normal, le prologue, tu peux pas le perdre. Bonjour, Riveless. Bien dormi? Ça aurait été mieux si j'avais été à tes côtés. Enfin bref, la lutte d'hier a sûrement été éprouvante pour vous. Ouais. C'était surtout toi qui t'es pris 2 coups de hache dans la gueule et t'es encore debout, indemne. Riveless, je peux vous demander une faveur? Les champs de bataille vous sont familiers, c'est évident. Oh, si peu. Puis-je devenir votre compagne de voyage? Oh mais, carrément. Comment? Vous voulez l'autorisation de mes parents? Ah, musique mélancolique, regarde au loin. Oh, faut pas rigoler, c'est triste. Ma mère et mon père ont trouvé la mort voilà 6 mois. Les Lorca, mon peuple, ils... Je suis la seule survivante de ma tribu. Des bandits nous ont attaqués et ils ont massacré tant d'innocents. Ma tribu a été exterminée. Mon père était le chef du village. Je voulais protéger notre peuple. Mais je suis si jeune et notre peuple était si traditionnaliste. Une jeune fille comme moi n'avait à leurs yeux aucune crédibilité. Non, ils n'ont pas voulu m'écouter. Ah, je suis désolé, j'ai été seul si longtemps. Je vais t'amener du réconfort, ma petite. Non, faut arrêter. C'est assez de sanglots. Trop petit point. Merci, je me sens mieux maintenant. Ouais, j'ai rien fait, moi. Riveless, je dois devenir plus forte pour venger la mort de mes parents. Ah, la vengeance. Une cause noble. Le combat d'hier m'a ouvert les yeux. Je ne deviendrai jamais une grande guerrière si je reste ici. Riveless, laissez-moi devenir votre élève et permettez-moi de voyager avec vous. Ça marche. Allez, vas-y, je t'emmène, poulette. Vous êtes d'accord? Génial. Merci de tout cœur. Nous avons tout à gagner à travailler ensemble. Vous serez mon stratège et je serai à vos ordres.
tu feras tout ce que je te demande. Ensemble, nous vaincrons. Ah mais... Attends, faut pas me dire ce genre de choses, moi. Hein. Moi, je m'imagine tout de suite des choses. Oh oui, offre-moi un paquet de chips. Bon, maintenant, voilà, Rivelès, voyagez aux côtés de Lynn. Aidez-la à perfectionner ses techniques de combat. Accomplissez les objectifs fixés dans les chapitres et assistez Lynn dans sa quête. Vous pouvez activer ou désactiver la fenêtre d'information en appuyant sur le bouton Select. Ouais, d'accord. Et le chapitre se conclut là-dessus. Non mais voilà, non. Bon. On sauvegarde et on passe au chapitre suivant. Eh oui, je me permets de passer au chapitre 1. Parce que sinon ça va me couillonner dans la numérotation. J'ai pas envie de faire épisode 1, le prologue. Épisode 2, le chapitre 1. Non, ça va être chiant. Bon. Rivelès, un apprenti stratège, et Lynn, une jeune bretteuse. Une alliance étrange en partance pour un voyage encore plus étrange. Pour préparer leur voyage, les voilà qui se dirigent vers Bulgare, le plus grand village commercial de tout Sakae. Lynn ne se doute guère qu'elle est sur le point de découvrir quelque chose qui va changer sa destinée. Chapitre 1, l'empreinte du destin. Rivelès, là-bas. C'est Bulgare, la plus grande ville de Sakae. Nous devrions y acheter des provisions pour notre voyage. Ah, mon cœur, quelle douce vision! Pardon? Attendez, ô beauté divine. Permettez-moi de vous demander votre prénom. Ou mieux, votre compagnie. D'où venez-vous, chevalier, pour accoster sans vergogne d'honnêtes étrangers? Ah, je pensais que jamais vous n'oseriez le demander. Je viens de Lycia. Plus exactement, je viens de Kaelin, la patrie des gens passionnés. Ne serait-ce pas plutôt la patrie des jeunes rustres, la langue bien pendue? Oh, cruelle et encore plus belle. Partons, Rivelès, nous nous sommes tout dit. Attendez, je vous en prie. Sein, silence. Mais Kent, mon ami, pourquoi tant de sévérité dans vos yeux? Si vous étiez un peu plus sérieux, je serais moins sévère. Nous avons une mission à accomplir, Sein. J'en suis bien conscient. Mais comment pourrais-je rester insensible face à tant de charme? Ce ne serait pas très courtois. Depuis quand êtes-vous expert en matière de courtoisie? Excusez-moi, vous bloquez le passage. Auriez-vous l'amabilité de déplacer vos chevaux? Bien sûr, pardonnez-nous. Je vous remercie. Vous, au moins, vous me semblez être honorable. Toutes mes excuses, mais... il me semble vous connaître. Comment? Eh, ce n'est pas juste, Kent, je l'ai vu en premier. Quel manque de respect! Les chevaliers de Lycia sont donc tous des rustres? Partons, Rivelès, j'en ai assez entendu. Attendez, vous c'est une erreur. Voilà. Sein, tout cela est de votre faute. Voilà. Elle se méprend, hein? Je pensais que vous étiez... Je ne suis pas comme vous. Nous devons la suivre, car je crois qu'il s'agit de... l'objet de notre mission. Vous plaisantez? Attendez-moi! Sauvons-nous! Quelqu'un est à nos trousses. Serait-ce ces cavaliers? Non, ce ne sont pas eux. Ces hommes sont assoiffés de sang. Oh, qu'il est laid! Coucou ma belle. Ton nom est Lindis, pas vrai? Comment m'avez-vous appelé? Mais qui êtes-vous? Quel terrible gâchis, ça me fend le cœur. Mais je suis prêt à tout pour l'argent. Il est l'heure de mourir, ma chérie. Occupez-vous d'elle. Oh là. Oh non, ils sont trop nombreux. Mais... je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Hé, hey, allez là-bas! Hein? Comment? Ouf, nous l'avons enfin rattrapé.
Et vous là-bas, n'avez-vous pas honte? Tant d'hommes contre une innocente jeune fille? Eh, hey, moi je fais de la figuration, ouais, je suis stratège quand même. Hein. Lâche! Attendez, vous êtes de... Nous discuterons de tout cela plus tard. Ces brutes en ont après vous. S'ils veulent se battre, je suis prêt. Allez vous mettre à l'abri, je m'occupe d'eux. Non, c'est mon problème, c'est à moi seul de le régler. Si vous croyez que je vais rester les bras croisés... Oh, ça fait moche ce petit temps d'attente. Nous pourrions trouver un compromis. Vous là-bas, prenez les commandes. Et le vous, il a un prénom, hein. Je suis Ken, cavalier de Lycia. Mon compagnon se nomme Sain. Nous obéirons à vos ordres jusqu'à ce que victoire s'en suive. Parce que victoire s'en suivra. Mademoiselle est-elle d'accord? D'accord, Yves-Laisse et moi, nous allons commander. Je pensais que c'était moi seul. C'est pas juste. Vous êtes Yves-Laisse, non? Je veux impressionner ma belle. Laissez-moi attaquer en premier. Il est chiant, lui, hein. Les unités bleues sont vos alliés. Oui, ça a été dit lors du prologue. Commandez-les comme vous l'avez précédemment fait pour Lynn. Mais attention, si Lynn est mortellement blessée, votre voyage se termine. Si d'autres unités bleues sont vaincues, le voyage continue quand même. Mais ils sont morts. Et comme dans la réalité, quand tu meurs, tu ne revis plus. Dit-il avec le sourire. Toutefois, ces unités ne pourront plus se battre jusqu'à la fin du tutoriel. Réfléchissez bien avant de prendre un risque. Oui. Durant les 10 premiers chapitres, quand une unité va être mise KO, elle pourra quand même revenir plus tard, mais au-delà du chapitre 10, c'est mort. Une fois que toutes les unités bleues ont agi, c'est automatiquement au tour de l'ennemi. Pour commencer, choisissez Sain, oui, parce qu'il veut se battre en premier. Je vous dis, en mode difficile, vous faites ce que vous voulez, on vous fait pas chier avec toutes ces bulles et on vous force pas à attaquer. Par exemple, je voulais pas attaquer avec lui. Parce que pour des raisons qui vont être expliquées après. Voilà. Alors vous allez vous dire... mais qu'est-ce qui se passe? Zut, je l'ai manqué. Sain, mais pourquoi n'utilisez-vous pas votre épée? La lance est plus héroïque. Un cavalier se doit de paraître héroïque, non? Vous êtes désespérant. Vous êtes ici sur un champ de bataille, je vous le rappelle. C'est votre vie qui est en jeu, alors un peu de sérieux. À dire vrai, j'ai oublié d'acheter une épée. Oublié? Ou monsieur était-il trop occupé à flatter ses dames? N'exagérons rien, je manie la lance aussi bien que l'épée. Vos fanfaronnades ne m'impressionnent guère. Hélas, je ne vous connais que trop bien. Prenez l'une de mes épées et battez-vous avec la foi avec la fois prochaine. Voilà. Vous êtes sûr que de ne pas en avoir besoin? Je vous suis redevable, Kent. Ah, mon ami, viens me faire un câlin. Peut-être ne méritez-vous pas que je m'inquiète autant pour vous. Peut-être. Ça va être expliqué. Non, même pas. Yves-Laisse, permettez-moi de racheter mon ami. Je suis à vos ordres. Et bien, c'est expliqué. Les armes obéissent à une stricte hiérarchie. L'épée bat la hache, la hache bat la lance et la lance bat l'épée. C'est le triangle des armes. J'anticipe. C'est une règle essentielle, oui. Oui, ça à prendre en compte. Vous allez maintenant voir que les épées... Ouais, on l'a vu au chapitre précédent quand même, mais bon. Vas-y, c'est Kent. Moi, j'ai pas le choix. Oui, de toute façon, si vous voulez choisir la lance, il vous envoie chier. Voilà, il m'envoie chier. Donc avec l'épée, ça passe. Quand vous battez avec une arme avec l'avantage, vous avez une meilleure précision et vous faites plus de dégâts. Le taux de critique, c'est un autre paramètre encore. Il est presque vaincu, achève-le. Alors le taux de critique, qui est de 4 pour Lynn, c'est à la moitié du paramètre capacité, qui est en gros la précision. Donc ça, vous divisez par 2 et vous avez le taux de critique, qui est un pourcentage. Donc c'est le pourcentage de chance de faire un coup qui va faire 3 fois plus mal, et surtout qui va toucher à coup sûr. Voilà, et comme ça, c'est Lynn qui récupère tout l'XP, l'égoïste. Ouais, car forcément, on récupère beaucoup plus d'XP quand on finit un ennemi, ce qui est logique.
Rivlès, donnez-moi une autre chance. D'accord. Ouais, bon. Oui, on a compris, il faut prendre l'épée, on a... Ah, mais pourquoi il est esquivé ? N'empêche, c'est abusé de louper à 87%, ça fout la rage. Mais ça, c'est fait exprès encore. Ah. Zane, vous allez bien ? Oui, j'ai de justesse esquivé l'attaque. Je m'étonne qu'il ait échappé aussi facilement à ma lame. Je suis sérieux ? Vous devez être plus attentif, l'ennemi est caché dans les bois. Avec toutes ces branches, ce n'est pas évident d'atteindre sa cible, non ? Vous avez raison, j'étais si concentré sur la tête que je n'ai pas fait attention. Votre négligence finira par vous coûter la vie. N'exagérons rien, j'ai compris, Kent. Je ne demande qu'à en avoir la preuve. Kent s'inquiète toujours trop. Il aura des cheveux blancs bien avant l'âge. Bon, là, c'est là que entre en scène la notion de terrain. Par exemple, les forêts et les plaines. Ouais, bon, bah vous avez compris, pas besoin de lire. Da 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 da. Bon. Bon, il faut que je choisisse Kent. Et bien sûr, je vais aller dans les bois. Donc il faut voir, il faut essayer donc un maximum de respecter, enfin d'avoir l'avantage au triangle des armes. Et aussi l'avantage du terrain, ça aide. Parce que mine de rien, c'est une sage décision que de laisser les cavaliers s'occuper de ce bandit. Bah oui, comme ça ils s'en prennent plein la gueule, putain ce Sein. Bon, elle faut que je la déplace sur la forêt qui est en haut, oui. Donc en général, quand on avance, pareil, on essaie de caser ses unités dans un endroit où ils seront safe. Bon. Vous, votre nom est Sein, n'est-ce pas ? Oui, Sein, le galant de Kaelin, en personne. Si vous insistez, pourquoi ne vous êtes-vous pas soigné ? Comment ? Je suis blessé ? Je suis ignoble. Ce si joli front qui se plisse par souci pour moi. J'abandonne. Je comptais vous faire cadeau d'une potion, mais... Vous me semblez en forme, excusez le dérangement. Non, attendez, je la veux, j'accepte avec plaisir. Voilà, c'est là qu'une nouvelle commande fait son apparition, la commande échange, qui, comme son nom l'indique, permet de faire des échanges entre des persos alliés. Mais il était impossible de faire un échange avec un ennemi. Yeah. Bon. Je ne peux refuser une offre aussi généreuse. Les vertus curatives de l'amour attendent là-bas. Rivlès, ne tardons pas eu. Ah. Bon, voilà. Bon, échange, oui, j'ai compris, c'est pas compliqué. Voilà, je choisis une potion, de préférence celle qui a déjà été utilisée une fois. Oui, j'ai appuyé sur A, et puis c'est tout. Et j'utilise pas la potion, ça sert à rien. Et oui, quand les cavaliers, quand ils font un échange ou qu'ils sauvent, enfin, quand ils sauvent quelqu'un, c'est ce qu'on me demande, j'expliquerai plus tard, mais ils peuvent faire un deuxième déplacement. S'ils ont déjà attaqué, c'est mort. Bon, la mission varie d'un chapitre à un autre. Dans le chapitre précédent, il fallait prendre le contrôle du village. Et là, il va falloir décimer tous les ennemis. Ouais. Bon, bref. Donc là, battre l'ennemi, il en reste 4 encore. Bon, allez, Kent, finis-le. Voilà. De manière générale, les épées sont plutôt faibles, mais bien précises. La hache, elle est pas précise du tout, mais elle fait mal. Et la lance est entre les deux. Ça fait relativement mal, mais c'est relativement précis. Bon. Voilà, ça me semble bien. Alors une petite chose aussi, je le dis maintenant, c'est qu'il faut essayer de définir son avance à l'avance son équipe, la Fire Emblem, parce que c'est impossible d'utiliser tous les persos du jeu, il y en a tellement. Donc là je vais en faire XP certains. Et après il y en a certains que j'abandonnerai parce qu'ils ont mal monté de niveau. Parce que la montée de niveau est aléatoire. Enfin du moins qu'est-ce qui monte est aléatoire.
Et selon les persos, il y a des paramètres qui montrent plus facilement que d'autres. Alors normalement pour Lynn, la puissance, la précision et la vitesse sont les deux points importants, précision et vitesse. Après il y a la puissance, potentiellement la chance et la résistance. Et après c'est les PV et ensuite ce qui monte le moins c'est la défense. Tandis que les cavaliers ils ont à peu près la même montée de niveau. Bon, il y a Sein, lui, qui attaque comme un pur bourrin. De toute façon, par rapport à Kent, il fait beaucoup plus mal, même avec une épée. Parce que ses stats de base à l'attaque sont bien plus élevés. Par contre, il est moins précis. Ce qui explique son malheureux 2% de critique. Tandis que Kent, bon, il est à 3, enfin là, 6, 6, 7, 8, 4, 6. Bon, ils ont à peu près la même vitesse, mais Sein a tendance à faire beaucoup plus mal et à être plus rapide. Et Kent est relativement équilibré, et une fois j'avais sa défense qui était max, qui était au max, c'était amazing. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est très simple, mais le jeu va vite se compliquer. Alors normalement lui il va pas me faire chier, il va rester à sa place. La plupart des boss ils bougent pas, je dis bien la plupart parce qu'il y a des chapitres où forcément les boss ils bougent, parce que sinon ce serait pas marrant. Bon, alors j'aimerais bien que ce soit Lynn qui le finisse. Bon, s'il me touche, je perdrai 8 PV et bon, ça va aller. Maudit chevalier, pourquoi faut-il toujours qu'il fourre leur nez partout? Oh là là, dans les narines. Aïe. Et si je mets Sein? Une mauvaise idée, si je me fais toucher c'est pas cool. Oh bah tiens, allez hop, à tous les coups il va attaquer Lynn. Ah, même pas Sein, enfin Kent, parce qu'il a déjà été touché une fois. Ouh, bah c'est parfait, Lynn a plus à donner qu'un seul coup et ce sera bon. Ouais, allez, on va la faire passer niveau 3 à l'aise. Boum, bigre. Cette sale gosse était censée être toute seule. Voilà, je suis mort. Enfin, il est mort. Forcément, les boss donnent beaucoup plus d'XP. Est-ce que j'aurai autant de bol sur le... Non. Voilà. En général, la puissance et la défense, ça monte quand ça veut. Pourtant, la puissance, elle est censée monter correctement chez Lynn. Voilà, bon, elle a monté au niveau 2, donc je suis quand même content. Tout le monde a eu son compte. Vous avez été grandiose, Rivless. Ah, tu pourras me dire ça quand ça sera vraiment dur, s'il te plaît. J'aimerais en savoir plus sur ces cavaliers de Lycia. Ne vouliez-vous pas partager votre histoire avec moi? En effet, nous avons fait un très long voyage de Kaelin à Lycia, car nous cherchons quelqu'un. Lycia? C'est la région située de l'autre côté des montagnes de sud-ouest, non? Tout à fait. Nous avons un message à remettre d'urgence à Lady Medellin. Il y a presque 20 ans, Lady Medellin s'était enfuie pour épouser un nomade. Medellin? La fille unique du marquis de Kaelin. Il a failli mourir de chagrin le jour où sa fille l'a quitté. Le cœur rempli de tristesse, le marquis racontait au monde entier qu'il n'avait pas d'enfant. Mais cette année, nous avons reçu une lettre de Medellin. Il était écrit qu'elle vivait heureuse sur les plaines de Sakae avec son époux et sa fille. Le marquis était fou de joie d'apprendre qu'il avait une petite fille de 18 ans. Je me souviens de l'émotion avec laquelle il annonça qu'il était soudain devenu grand-père. Sa petite fille se prénomme Lindis. C'était aussi le prénom de Madame la Marquise, décédée dans la fleur de l'âge. Lindis ? Le marquis était tellement ému d'apprendre qu'elle portait ce nom. Désormais, son vœu le plus cher est de la rencontrer, et c'est pourquoi nous sommes venus ici. Medellin est morte quelques jours après l'envoi de cette lettre et nous l'ignorions. C'est à Bulgare qu'on nous fit part de la triste nouvelle. Mais il semble que tout espoir n'est pas perdu. D'après les rumeurs, la fille est encore vivante. Il paraît qu'elle vit seule dans les plaines. Par intuition, j'ai compris que vous étiez Lindis. Qu'est-ce qui vous fait croire à une chose pareille ? La ressemblance avec votre défunte mère est frappante. Comment ? Vous connaissiez maman ? Je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'ai pu admirer ses portraits au château de Kaelin. Pour le reste de ma tribu, j'étais simplement Lynn,
mais quand j'étais avec mes parents, dans l'intimité, j'étais Line 10. Comme c'est étrange. Je croyais être seul au monde et voilà que j'ai un grand-père. Line 10, je croyais que ce nom était enterré à jamais. Attendez, ce bandit, il m'a aussi appelé Line 10. Comment aurait-il? Il était aux ordres de Lundgren, n'est-ce pas? Lundgren, qui est cet homme? Il s'agit du frère cadet du marquis. Tout le monde était convaincu que Medellin était parti pour toujours, ce qui faisait de Lundgren l'unique héritier au titre de marquis. Pour être bref, milady, votre existence nuit aux ambitions de votre grand-oncle. Mais ses droits de succession ne m'intéressent pas du tout. Malheureusement, votre oncle ne veut pas prendre ce risque. Pour sûr, il continuera à vous pourchasser sans relâche. Que dois-je faire? Accompagnez-nous jusqu'à Kaelin. Continuer votre voyage serait trop dangereux. Je n'ai donc pas le choix. Dans ce cas, je viens avec vous. Mais moi, j'ai pas mon mot à dire. Rigley, je suis désolé. Nos projets sont chamboulés. Oh. Alors que décidez-vous? Comment? Vous voulez que je décide à votre place? Ni. Évidemment, votre présence me faciliterait la tâche, mais ce voyage promet d'être des plus périlleux. J'aime bien les emmerdes. Vous m'accompagnez? Vous avez bien réfléchi? Ouais. Je suis si heureuse. J'ai grand besoin de votre présence. De votre précieuse aide. Oula. Ma langue fourche terriblement ces temps-ci. Bon, ben je vais m'arrêter là. Bon. Bah parce que ça fait déjà 2 chapitres hein, et ça fait 40 minutes. Après, plus loin dans le chapitre, ce sera bien plus long. Donc là j'ai l'impression d'avoir fait pas grand chose parce que en passant les cinématiques, ça fait même pas 10 minutes de jeu. C'est juste que voilà, pour les besoins de l'histoire, parce qu'il y a malgré tout une histoire qui devient poignante avec des rebondissements et tout. Et aussi le gameplay au fur et à mesure des chapitres, il s'étoffe. Hein. On a des nouvelles unités qui sont de classes différentes, comme là on a eu les cavaliers. Plus tard on aura des archers, après des magiciens, des trucs du genre quoi. Bref, des trucs de fous sont à venir. Donc en tout cas, j'espère que jusqu'ici ça vous plaît et que ça vous plaira davantage par la suite. Encore, j'allais dire encore un grand merci, mais pour une fois j'ai pas encore dit merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo sur Fire Emblem et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut !